La direction de l'Institut national de santé publique de Djibouti a procédé hier au lancement d'une campagne de pulvérisation dans la capitale. En effet, cette campagne d'envergure dans la capitale a mobilisé d'importants moyens matériels et humains. S'étalera donc sur une durée totale de 6 jours dans les 3 communes de Djibouti, à savoir Velbela, Blaras et Razdika. En cette période de fin de vacances, notamment avec l'afflux grandissant de voyageurs dans le territoire, cette campagne préventive trouve sa justification et répond pleinement à l'efficience de l'action préventive. Selon le directeur de l'Institut national, Dr Aden Ibrahim Bouh, il est d'autant plus opportun de lancer cette campagne à l'approche des saisons fraîches, justement pour prévenir et éliminer en amont tout risque de prolifération des moustiques et autres insectes volants. Fin de citation. Durant cette période, les pick-up montés de pulvérisation sillonneront dans tous les quartiers de la ville de Djibouti, dans toutes les communes, en vue d'intensifier la lutte anti-vectorielle. Parallèlement à ces activités de pulvérisation, l'Institut entend maximiser le rendement de cette campagne de lutte anti-vectorielle à travers la mise en œuvre des opérations d'épandage des gîtes larvaires, mais également à travers l'extension de la couverture vers les régions de l'intérieur.